Aujourd'hui, Jean-Claude va vous apprendre à gérer la pression dans le sport et surtout le cyclisme. Alors, gérer une pression, c'est possible. Maintenant, gérer une plus une pression, c'est deux pressions. Donc, c'est la dépression. Et la dépression, c'est triste. Donc, pour que une plus une ne fasse plus deux, une plus une, qui est vide, on est bien d'accord, une plus une égale un. Et alors là, la pression est plus facile à gérer. Le cycliste, il a besoin de barres dans ses pneus. Alors, imagine que tu rêves et que tu as un vieux loup de mer et que tu es aux barres. C'est déjà compliqué, puisqu'un vieux loup de mer, c'est un bar qui est aux barres. Alors, soit tu as la pêche aux barres, soit tu es dans le bar et tu pêches la meuf au bar. Et tout d'un coup, tu te réveilles et tu te dis, je dois mettre 7 barres dans chaque pneu. Ça fait 7 plus 7. Ça fait 14. Mais ça peut faire 77. Ça peut faire 77. Mais 7 plus 7, ça peut faire aussi balle de match. 7 plus 7, gagné. Alors, balle de match ou balle au centre? Et le centre d'intérêt, c'est la pression. Et la pression, elle est partie. Et la pression, où est-ce qu'elle est partie? Rejoindre le bac, qui sera bientôt vide, près du bar. Mais s'il faut mettre 7 barres devant et 8 barres derrière, on met 15 barres. Et si on met 15 barres, ben, on tombe sur Birkin. Maintenant, s'il y a 15 barres qui turbinent en même temps et qui servent la jupilaire, ça va faire de la mousse et ça va déborder. Maintenant, si on a beaucoup de mousse, ben, on arrête le vélo, on achète un navire et on les met tous à la rame, ces mousses. Bon, attention, la drogue, c'est mal. Ben, alors, les femmes n'ont rien à craindre, puisque c'est mal. Mais pourquoi alors? La drogue, c'est un nom féminin. Bon, allez, on va dormir une heure.